La bonne ambiance avec les gens d'ici et tout. Une bonne entente entre tout le monde et c'était une super semaine. Êtes-vous satisfaite de votre parcours et du match que vous venez de finir ? De ce match, oui, mais du match précédent, un peu moins. Mais bon, c'est pas grave. On est content quand même. On est quand même troisième, donc on est contente de finir troisième de ce championnat. C'était votre dernier match, c'est aussi la fin de cette compétition. Quels souvenirs et quelles images garderez-vous de cette semaine ? Que du positif, parce qu'on a quand même bien joué tout le long de la semaine. La bonne ambiance avec les gens d'ici et tout. Une bonne entente entre tout le monde et c'était une super semaine. On a remarqué tout de suite à l'accueil des équipes car vous parliez une langue un peu inconnue pour nous. Comment avez-vous appris à parler basque ? Est-ce que c'était à l'école ou avec votre famille ? Moi, depuis toute petite, à la maison, c'était ma première langue. Moi, depuis petite aussi, depuis l'école, quoi. Ouais, on a tous appris à l'école, à la maison et à l'école. Et maintenant, on est dans un lycée que basque aussi, donc voilà. Est-ce avantageant ou stratégique de parler basque sur le terrain ? Oui, parce que du coup, ils comprennent pas trop ce qu'on dit. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose en basque et après, qu'est-ce que ça signifie ? Milesker, antolatzaile, gusieri, eta aupa etxepare. Ça veut dire merci à tous les organisateurs et aupa etxepare, notre lycée de Bayonne. Merci.